tête de zombie. Oh my god. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien avec mon ongle pété. J'en peux plus. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 février, il est 9h05, il faut que je me dépêche. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai Truffaut à 10h, il faut que je me grouille le cucu. Je fais 10h-15h aujourd'hui, je fais l'ouverture. J'en peux plus. Bah en fait vous avez pas de vlog aujourd'hui, je pense que vous l'aurez déjà vu. Donc je vais vous filmer cette vidéo là et vous la mettre demain je pense, enfin j'espère s'il y a assez de contenu, mais je pense que oui. Aujourd'hui le programme est assez chargé, entre guillemets. J'ai fait des petits achats chez Truffaut la dernière fois donc je vais vous les incorporer après. Et il faut que j'achète aussi des pots pour mon père et il me faut aussi une plante que l'on va mettre au-dessus de l'étagère. Je vais vous montrer, de toute façon ils ont une collection à Truffaut de plantes spéciales printemps et tout. Franchement c'est super joli ce qu'ils ont fait, mais en tout cas ils ont fait pas mal de belles choses donc... Je vais vous montrer les belles plantes, etc. En plus, c'est pas très très cher non plus. Je vais vous montrer aussi l'appartement, comment il est, après la reprise des affaires de mon ex. Et là, le make-up aujourd'hui, il va être très très simple, vraiment. De toute façon, je me casse plus trop la tête, je vous avoue, au niveau du make-up. Je n'en peux plus. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, cette semaine, je suis vraiment sortie quasiment tous les jours. J'ai fait des grosses soirées et tout, enfin, c'était n'importe quoi. J'ai plein de boutons parce que j'ai mes règles, je suis à bout. Mais vous savez ce qui est bien, c'est que... C'est ceux qui me suivent sur Instagram, bon je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre. Même si j'ai une gueule comme ça, je vous jure, sur Instagram j'ai pas cette gueule là. Quoique si, mais... Si, j'ai cette même gueule, si. Donc je devais avoir mes règles le 22 février, le jour de mon anniversaire. Et au final j'ai prié le karma, j'ai fait hey karma s'il te plaît, genre rends-moi un service. Est-ce que je peux avoir mes règles le samedi ou le dimanche? Genre après toutes mes soirées. Et devinez quoi? Je les ai eu samedi matin au réveil et c'était très douloureux. Donc le karma m'a accordé ma demande, mais par contre je douille en retour. J'ai vraiment douillé hier matin. J'ai demandé à Truffaut de ne pas aller travailler parce que vraiment j'étais au chiottes en train de dégueuler, c'était vraiment génial. Ils m'ont dit de venir, donc j'ai travaillé quand même. J'étais en train d'accoucher littéralement à la caisse, j'en pouvais plus. Je suis beaucoup sortie cette semaine parce que c'était déjà mon anniversaire, il y avait la soirée étudiante qui était éclatée. Je vais pas me répéter parce que s'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, vas-y c'est un peu le chien, attendez vous avez un poil... C'est un peu chiant de se répéter, mais c'était éclaté, vraiment éclaté. J'ai jamais vu une soirée aussi éclatée de toute ma vie. Aucune musique, il y avait aucune musique avec des paroles. C'était poutou 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 poutou. Que ça pendant 3 heures. En plus, on a fait la queue pendant 2 heures dehors. Bref, les vigiles, n'en parlons même pas. Ils sont extrêmement mal élevés, extrêmement mal polis. 30 balles pour ça. Du coup, j'étais tellement frustrée que j'ai demandé à ce qu'on ressorte le lendemain. À Métropolis, on y est allé, on a dansé avec des bonnes musiques, donc voilà, en fait je suis beaucoup beaucoup sortie cette semaine. Et du coup, j'ai fêté mon anniversaire aussi, donc ça s'est super bien passé. Bon allez, c'est parti, je me dépêche. A few moments later. J'ai plus de batterie, putain, fais chier. Bah je viens de terminer mes 5 heures, et je viens de péter mon ongle, c'est génial. Là je cherche un truc pour mettre les boules de graisse parce que je voudrais avoir des oiseaux chez moi, tu vois. Du coup je pensais à ça, c'est mignon, 4,49€, c'est cher. Ah, mais il y a ça là, ça en fait partout ça. J'ai pété. Du coup j'ai ramené mon pot là pour mettre ce genre de plantes à l'intérieur, mais ça va pas rentrer dedans. Que je le... Putain mais c'est cher, 20 balles pour ça quoi. Et ils abusent Truffaut. Ce service il est trop beau. Putain. Les terres elles sont archi belles. Et ça... Combien que ça coûte? 21€. Oh. J'aime trop. C'est trop beau. Je pense à prendre ça. Au moins il y en a 3. À 3,50€, c'est beaucoup moins cher que le gros pot. Et au moins on est sûr que ça rentre. Faut juste que j'achète de la terre. J'aime trop ces vases. Ils sont trop beaux. Du coup vous avez moins 50% sur tout ça. Sur toute cette gamme nature et tout. Ça vaut vachement le coup. Moi j'ai pris des... Enfin je vais vous montrer après. Je vais faire une insertion. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté la dernière fois. Mais alors ça sent trop bon. Moins 50. Là il y a moins 60 sur toutes les lampes candle. Ah, j'ai pépé. Bon il est actuellement 15h44. Pourquoi ça bug? Donc je devais acheter des pots en fait pour mon père, sauf qu'ils ne les ont pas en rayon, du coup ils vont être livrés la semaine prochaine.
Je vais les prendre la semaine prochaine. J'ai acheté 2-3 petites choses, donc à Truffaut, je vous montrerai après. Et là, je dois aller à Action. J'ai pas mangé ce midi, là j'ai pris un chai latte à Starbucks. J'adore, avec un shortbread. Donc on doit aller à Ikea, à Action, faire un petit tour en fait à la Cerisaie. Non, c'est pas la Cerisaie, non, c'est Thiers Village. Et ensuite, je devais aller à Belle Épine, mais je sais plus pourquoi. Je sais pas, ça va peut-être me revenir. Mais en tout cas, c'est parti. Je vais essayer de vous filmer. On est dimanche. Il va y avoir tellement de gens. Mais pourquoi j'y vais un dimanche en plus à 15h44? Genre, c'est vraiment l'horaire où faut pas y aller. Bah, du coup, changement de plan. J'ai chauffé ma soeur pour qu'elle vienne avec moi à Ikea et tout le bordel. Elle m'a dit, bah, viens me chercher. Voilà, je n'ai plus de batterie sur la caméra, c'est pour ça que ça bug. Je suis ravie. Regardez comment ça bug. Oh mon dieu. C'est quoi leur adresse déjà? Je sais même plus. Donc je vais chercher ma soeur et son copain. Et Gigo. Je garde en mémoire. Oh là là, cette qualité. Du coup, on revient d'IKEA. Et le problème, c'est que j'avais pas mon téléphone. Donc, j'ai galéré à essayer de retrouver ma sœur et son copain dans IKEA, sans téléphone. J'ai acheté 2-3 petites choses. Du coup, on a pris un hot dog, on a pris un menu à IKEA parce que j'ai trop faim, j'ai pas mangé ce midi. Et après, on va à l'Action, Alice Delis, comme d'habitude. Il y a un monde fou, les gars, je vous le raconte même pas. C'est n'importe quoi, c'est j'en ai ras le cul. Bon, nous sommes toujours le même jour. Je suis rentrée il y a pas longtemps, il est actuellement 23h23. Je suis allée me doucher, etc. parce que là j'étais vraiment KO. Donc j'étais avec ma soeur et son copain, on a mangé chez eux et tout. On a joué, on a parlé, on a rigolé. Donc j'ai préféré profiter un peu de ma soeur parce que je la vois pas souvent. Du coup, j'ai pas trop filmé, je suis désolée. Je pensais mettre le vlog demain, donc lundi. Mais au final, je vais vous le mettre, je pense, mardi. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux les achats à une meilleure lumière parce que, enfin une meilleure lumière quoique demain je vais être à la BU toute la journée, mais en tout cas pas à cette heure là à 23h avec cette tête éclatée. Et ce que je voulais faire en fait avant d'aller à la BU demain, c'est imprimer donc tous mes cours, tous mes exercices, etc. Je vous ai déjà parlé de ma méthode de travail avec mon trieur, là je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, mon organisation post-partielle et pendant partielle. Donc je vous ai tout montré comment je faisais. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit si j'y pense, ou sinon c'est une de mes dernières vidéos. N'hésitez pas parce que c'est vraiment, enfin je trouve ça intéressant pour ceux qui sont encore en cours et qui ont besoin de s'organiser pour réviser. Moi je fais tout le temps cette méthode là et ça marche plutôt bien. Au cas où si vous n'avez pas vu la vidéo, mais vraiment très vite fait, donc en gros j'ai des petits intercalaires avec le nom de la matière avec la dimo, avec des petits intercalaires comme ça transparents, le cours, ensuite les thèmes. Et je mets aussi les TD juste derrière, enfin voilà, je fais comme ça, avec des pochettes plastiques qui se détachent et qui se retachent, qui se rattachent très facilement. Donc voilà, je fais ça et en gros j'ai imprimé donc tout ce qu'il me fallait et je vais mettre toutes ces feuilles là-dedans, dans ce petit classeur. Donc bref, je sais même pas si vous êtes cadré. Oh là là, c'est une catastrophe. Bref, je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. C'est parti. Donc en fait je mets des post-it pour me repérer un petit peu mieux. Donc je vous avais montré, je mettais un screen de l'exercice là et je mettais les réponses juste en dessous, comme ça me permettait de mieux comprendre les exercices, de lire ça, ce genre de tableau et tout avec des couleurs, etc. Surtout que je les charge un peu quand même parce que c'est une fiche en gros de ce cours. Et je dois apprendre tout ça là en marketing, tous des trucs de définition là, c'est nul à chier. Et pour contrôle de gestion, j'ai fait des petits tableaux. Je trouve ça trop trop beau. Donc des petits tableaux comme ça. Oh, j'aime trop. C'est trop beau. Donc là il est minuit et demi. Je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain je me lève assez tôt. Je vais préparer mes affaires pour demain, comme ça sera prêt. Et je vais aller me coucher, je suis fatiguée. En fait j'arrête pas d'enchaîner. Je me repose vraiment pas. Genre j'ai dormi 25 heures cette semaine en tout. C'est vraiment pas beaucoup
Et au niveau de ma tension, elle est super faible depuis le mois de novembre. Je suis à 8,5, 8,4 de tension. Mais c'est compliqué, je vous avoue, c'est compliqué. Mais en tout cas, je vais beaucoup mieux qu'en janvier. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Ah, mais avant de vous quitter, je vais vous insérer la vidéo que j'avais tournée la semaine d'avant. Genre la petite partie où je suis allée à Truffaut. Je vais vous montrer ça maintenant. J'ai une dégaine. Je ne vous respecte pas. Oh là là. Mon dieu. Attendez. On essaye de s'arranger un minimum pour ressembler à quelque chose. Quoique dans cet accoutrement de panda, on ressemble pas à grand chose de base. Est-ce que c'est mieux? Ouais, t'en penses quoi? Donc je suis allée à Truffaut donc pour aller travailler et j'ai fait pas mal d'achats, j'en ai eu pour 100 balles. J'ai acheté notamment de la litière pour Prince qui a coûté 5 euros chacun, donc j'en ai pris x2. Et j'ai acheté aussi les croquettes pour Birdie qui étaient à 30 euros. Et nous on a moins 50% pour les croquettes Nutrivia. Je te dérange pas. Du coup ouais, ça revenait pas très très cher la bouffe pour Birdie. J'ai acheté... cette chose qui est extrêmement chère. Oui, je suis ruinée. Je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 6. Donc tous les 6 semaines, j'achète cette merde, Chouquette. Du coup, j'ai acheté ça, c'est le gourmandise de Birdie. Alors en fait, j'avais acheté d'autres gourmandises à Birdie. Le problème, c'est qu'elle ne les digère pas et elle a vomi toute la nuit la dernière fois. Donc j'ai dit que c'était mort. Elle préfère ça en fait, c'est des bâtonnets avec de la viande séchée. Et après le petit bâton blanc là, c'est un petit truc à mâcher. Et elle aime bien, c'est au poulet, c'est vraiment de la bonne qualité hein. C'est pas de la merde ça, c'est assez cher, c'est dans les 7 ou 8 euros. Donc voilà, moi j'ai pris ça, elle adore. Ensuite j'ai acheté un cadeau à ma soeur. Je ne dirai pas ce que c'est parce qu'elle est... elle regarde mes vidéos de temps en temps. Mais en fait c'est vraiment une connerie qu'on avait quand on était petite. Du coup je vais pas vous le dire mais ça coûtait 7 euros et je me souviens qu'à l'époque, genre il y a 15 ans, ça coûtait pas 7 euros, ça coûtait, je sais pas, 2 euros même pas. Genre vraiment c'est de la merde à l'époque, là je sais pas, ça a upgradé une tendance, j'en sais rien. Mais je vous montrerai ça au mois d'avril. Et enfin, il y avait pas mal de remises concernant la marque Esteban. Donc Esteban c'est vraiment une très bonne marque, hein, c'est équivalent à Durance. Et il y avait moins 50% donc sur quelques produits. Donc bah, j'ai fait une razzia, on va pas se mentir, j'en ai pris vraiment beaucoup. Voilà, j'ai craqué mon slip, Chouquette. Donc j'ai pris des diffuseurs. Des diffuseurs, ils sont super bons. Donc j'ai pris la fleur de coton et au monoeil. Alors pour les prix, je vais vous dire ça juste après. Mais voilà, ça sent super bon. En plus, les petits trucs sont hyper... les petits bocaux sont vraiment design. Et j'ai pris aussi la recharge. Au monoeil, il n'y avait pas la fleur de coton. Donc j'ai pris au monoeil. J'ai pris ensuite des petits sprays monoeil et coton. Voilà, ils faisaient aussi d'autres senteurs. Moi, je préfère ça, c'est mes préférés. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai pris aussi des petits trucs Yankee Candle. J'en ai plein de Yankee Candle, je n'ai que ça chez moi. Faut que je les fasse, faut que je les finisse. Mais en fait, là, il y avait moins 60% sur les Yankee Candle, donc enfin sur une certaine gamme de Yankee Candle, de la gamme de Noël. Du coup, bah, j'étais obligée d'en prendre. Bon, je me suis raisonnée, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de grosses bougies. Mais j'ai pris des votives. J'ai pris celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Il a coûté 1 euro. Ceux-là aussi, 1 euro. Donc bah c'est vraiment mes préférés, je les aime trop et même si la votive on sent pas grand chose, bah j'aime trop. Et j'ai pris quand même une grande parce que voilà ça me fait vraiment penser au sapin. Ça sent super bon, voilà, c'est lumière scintillante, c'est celle-ci. Donc voilà je vais vous donner les prix mais franchement je suis super contente. En plus j'ai eu des graines de d'haricots offertes, c'est génial. Les diffuseurs comme ça c'est 19 euros et on a eu moins 50%. Donc ça passait à 9,50€. Les petits vapeaux comme ça, c'était 15€, moins 50 à 7,50€. La recharge, c'était à 20,50€, donc c'était à 10,25€. Je suis super contente, voilà. J'aime beaucoup mes petits achats et puis je vais l'installer dans l'entrée, ça va sentir super bon. Je sais pas si je mets mon œil ou fleur de coton, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et donc le reste des achats, j'ai fait Action, j'ai fait Ikea aussi, j'ai fait Alice Davis. Et j'ai fait Truffaut, donc je vous montrerai ça demain. Du coup, je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'est arrêté. J'ai lâché le vlog.
pendant mes vacances, je crois. J'étais en vacances, hein, et je voulais vous poster la vidéo la semaine dernière. Oh là là, nous sommes actuellement le 8 mars. il s'est passé beaucoup de choses entre temps, entre la séquence d'avant et la séquence de maintenant. J'ai eu donc ma semaine de vacances, qui était une semaine de révision, comme vous le savez, je pense. J'en peux plus. Et j'ai eu mes contrôles donc hier, lundi. J'ai eu contrôle de gestion, gestion financière et marketing. C'était une catastrophe. On a tous foiré, mais quand je vous dis foiré, je pense que ça va pas au-dessus de 5 sur 20. Quand j'ai vraiment bossé cette semaine, et tellement que j'étais épuisée et stressée, j'ai fait vraiment de la merde. Donc je suis vraiment ravie. Là, j'ai contrôle à 17h30 d'anglais. J'ai la flemme de réviser. Il est 15h13. Dans une heure, je pars. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté ces derniers temps en haul, comme ça. Couper le vlog, je sais pas, parce que vraiment, ce vlog n'a aucun sens. Je ne sais même pas quel titre donner à cette vidéo. Je vais vous faire le programme des prochaines vidéos. Alors, la prochaine vidéo, ça sera une organisation avec moi. Donc, une organisation pour le mois. Organisation du bureau, un petit peu, parce que j'ai acheté des petites choses pour le bureau. Le ménage aussi, on va faire une vidéo ménage. Je sais que vous aimez bien ça, les trucs en accéléré, avant, après, etc. Parce que là, c'est vraiment, quand je vous dis le bordel, c'est genre pendant ma semaine de vacances, je n'ai rien nettoyé, je n'ai rien fait, je n'ai rien touché. C'est vraiment le bordel, je n'en peux plus. La réorganisation, le ménage et aussi la réorganisation de tout l'appartement. Puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, il n'y a plus le bureau, il n'y a plus les affaires de mon ex-copain. Une page se tourne, il a pris donc ses affaires. Il a pris, sauf le bureau, il ne l'a pas pris. J'aimerais bien qu'il le prenne, parce que ça prend un peu de place quand même pour moi toute seule, c'est pas fou. Donc il a pris son piano qu'il y avait là. Donc je pensais mettre peut-être mon bureau ici après, je sais pas, vu que ça rentre vraiment pile poil, ça fait 1m60, pile poil. Peut-être je vais le mettre ici, mon bureau avec mon meuble en dessous, comme ça, ça me dégagera. Faites vraiment pas attention au bordel, je vous jure, c'est vraiment le bordel. Ça dégagera cet espace-là, vraiment faites pas attention au bordel, je vous jure. C'est n'importe quoi. Et j'aimerais bien vendre aussi donc mon bureau avec le meuble en dessous, avec les pieds. Je vais peut-être le mettre sur le bon coin ou le marketplace, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un bureau qui fait 1m60 sur 80 profondeur, c'est assez grand. Et j'aimerais bien faire après un petit truc coin lecture. Déjà, enlever le bureau pour pouvoir avoir accès à mon radiateur qui est en dessous parce que je me pèle le cul l'hiver. Mettre un tapis, etc. Un fauteuil, vous savez, celui de Casa que j'aime trop avec le gros coussin là. Je l'aime trop, ça fait des années que je le veux. Donc prendre celui-là ou prendre celui de Truffaut parce que celui de Truffaut, il peut aller à l'extérieur. Donc l'été je pourrais le mettre sur le balcon. Donc voilà, faire un petit coin, voilà, lecture, cosy, etc. Un coin ici avec le travail, là comme ça. Après ça peut peut-être empêcher l'accès au truc. Parce que là ça fait vraiment vide et je sais pas du tout quoi mettre ici. Vraiment, je sais pas. Et j'aimerais bien faire une étagère de plantes, un truc vraiment avec des plantes. Donc soit là, soit là. Ça dépendra de où est-ce qu'on met le bureau. Donc voilà, il y a une petite page qui se tourne. Il a pris ses affaires, j'ai réinstallé vite fait les miennes, vraiment c'est n'importe quoi, c'est mal rangé. Donc ça on le fera dans une prochaine vidéo. Ça fait bizarre quand même quand j'ai vu les trucs partir. Après voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient à moi, donc voilà, il n'y a pas grand chose qui est parti. Mais ça fait quand même bizarre, je vous avoue, d'avoir ses affaires, ses propres affaires quoi. Mais bon, une page se tourne, un livre se ferme. Et puis voilà, je me sens beaucoup mieux célibataire comme vous le savez. Je me sens beaucoup plus libre. Libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de... Vraiment j'avais besoin de liberté et j'en ai vraiment profité depuis la rupture de cette liberté. Je suis vraiment sortie beaucoup beaucoup de fois. J'ai vraiment besoin de liberté et ça me fait vraiment du bien. Vraiment, je souffle, je respire et je profite à fond de mon célibat et je me vois vraiment pas du tout en couple. Là, même ces prochaines années, je peux plus. Vraiment, je peux plus. J'ai toujours été en couple et là, célibataire, ça fait vraiment un bien fou, je vous avoue. On se reconcentre sur soi-même, on fait vraiment ce qu'on veut, on a de compte à rendre à personne. C'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc, bref, je vais vous installer au point unboxing comme d'habitude. Est-ce que là, on est bien ou pas ? Une catastrophe un petit peu. Oh là là, vous voyez le bordel derrière. Bon, on se met ici. Bon, je vais commencer par Truffaut parce que j'ai fait des petites j'ai trouvé des petites pépites, notamment cette Monstera. Alors c'est une Monstera, j'adore parce qu'elle a des trous au niveau des feuilles, c'est incroyable. Attendez, vous voyez pas trop, mais oh principado. Tu me casses les couilles. Mais en fait c'est une Monstera qui va être un peu comme ça en fait, ça c'est une Monstera qui va vraiment
se développer et tomber comme ça. Donc au-dessus d'une étagère, ça peut être vraiment joli. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, pour mettre au-dessus d'une étagère. Donc ça coûte 13,99€, c'est assez cher, mais j'adore. Et en plus, ça tient tellement longtemps. Pour celles et ceux qui sont nuls au niveau plantes et tout, franchement, acheter des monstéras, ça tient très très bien. Moi, j'ai la mienne depuis Versailles. Elle est toujours au-dessus, en train de faire des feuilles et des nouvelles pousses. Ça date de... ouais, il y a longtemps quand même. J'ai toujours mes plantes, en fait. Ça date de Versailles. L'autre aussi, la grosse, ça date de Versailles. Du coup, ça là, je suis assez contente parce que j'aime bien. C'est assez original, c'est joli sur un petit mur et tout. Je vais peut-être le mettre soit dans le bureau, soit dans un cache-pot que je vais vous montrer juste après. Ensuite, j'ai acheté ces petites plantes, donc j'en ai pris 3. C'est je vous l'ai montré, je crois, en vidéo, que je voulais acheter une grosse comme ça, enfin ça, en gros, pour mettre dans mon cache-pot. Sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop cher, je trouvais, par rapport à ce que ça proposait. Du coup, j'ai pris 3 petites comme ça. Vous connaissez pas d'autres en train de bouger la caméra. En plus, Prince, il adore jouer avec ça. Sauf que c'est pas bon pour les chatons comme toi, mon chacha. 3,49€, j'en ai pris 3 comme ça. Et je voulais les mettre, en fait, dans mon... Est-ce qu'on peut me laisser filmer par ici? Vous êtes un peu trop présent là, qu'est-ce qui se passe? Je voulais les mettre dans mon vase, il est vraiment trop joli. Il vient de chez H&M, il coûte 25€, il est sublime. Du coup, je voulais mettre ça là-dedans, au-dessus de mon étagère, parce qu'en fait, ce genre de plante, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, sinon ça pourrit, et c'est parfait, parce que ça va être au-dessus de l'étagère. Du coup, je me suis dit, ouais, au-dessus, genre, ça peut être pas mal. Ou alors, j'ai pas testé encore. Genre, si on le fait rentrer... Genre, faudrait que j'achète un pot un peu comme ça pour le bureau. Ça peut être joli, je trouve. Parce que comme ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, on va tester les deux, de toute façon. Après, j'ai acheté de la terre pour les rempoter dans le pot, pour mettre les plantes, donc j'ai pris ça. J'ai acheté des boules de graisse parce que je veux des oiseaux sur mon balcon. J'ai acheté une maison à 11 balles et un paquet de graines à 13 balles. Les pigeons, non, les oiseaux ne viennent toujours pas. Je me dis, tiens, avec ça, ils vont peut-être venir. Donc j'ai acheté ça, c'était 1€, c'était en promotion. Avec ça, du coup... Ça, je peux l'accrocher vraiment facilement à mon balcon. J'espère qu'ils vont venir. Parce que s'ils ne viennent pas, j'en ai marre. Genre, moi, je veux des oiseaux sur mon balcon. J'ai acheté ça, c'est à 1€ à unité. C'est pour mettre, vous savez, les chaussures. Mais vous arrêtez! Non, mais vous êtes gonflants, les deux, là. Il se passe quoi? C'est la fête? Du coup, c'est 1€ l'unité. C'est pour mettre les chaussures, vous savez. J'en ai déjà dans un de mes meubles. Et c'est vraiment très pratique. Donc, j'en ai pris 3. J'ai pris ensuite un vase que moi j'utilise en vert pour mon cappuccino. Donc je l'ai déjà en blanc et je l'ai pris en rose. Il existe en noir, mais le noir il est un peu trop grand. Du coup je l'ai pris en rose, ça change. 3,99€. Ensuite j'ai pris un porte-portable. Donc c'est comme ça, vous savez, vous mettez le portable droit. Donc pour le bureau ça peut être pas mal. Parce que j'en ai pas du tout. 2,99€. J'ai pris ensuite une pince pour faire à manger. Quand je fais des trucs au curry, au moins ça tâche pas trop. Genre, enfin quand je fais. Dans les rares périodes où je fais à manger, quand je fais du curry, donc c'est encore plus rare, je tâche beaucoup mes ustensiles de cuisine. Du coup, j'ai pris ça, c'est en bambou, c'était pas très cher. Je me suis dit, vas-y. Un support pour iPad, pour mettre aussi sur le bureau. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, mais on peut mettre plein de choses. On peut mettre un livre, des feuilles, un iPad ou autre. Enfin voilà, je trouve c'est plutôt pas mal. Du coup, j'espère que ça va le faire, ça va rentrer en fait. Au niveau de la lampe. Ensuite, je suis allée à Primark. J'ai adoré leur nouvelle collection de chaussures. Et aussi leur casquette. Ils ont fait des casquettes. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je veux une casquette. Et j'en ai acheté plein. Ah oui, j'ai acheté sur Shein aussi. Donc, j'ai acheté cette casquette-là qui était à 4€. J'adore les casquettes blanches. Attendez, j'espère que ça me va. Imaginez, ça, si vous dites que ça me va pas... non, en soi, ça va. Moi j'aime trop. Ensuite j'ai pris celle-là, il y a marqué Be all that you are. Be all, mon accent de ouf, putain. Celle-là, ça fait un peu papy, mais j'aime bien, ça fait vintage, tu vois. J'ai pris aussi une autre casquette vraiment très basique, celle-là, cette fois-ci. Voilà, ça fait très... voilà. C'est une casquette, quoi. Donc 3€, 3€, 4€. Et je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un pyjamas. J'en peux plus. J'ai pris un pyjama à 7€. Donc c'était un pyjama vraiment très basique avec un t-shirt jaune. Et en fait j'aimais bien le pantalon, il était assez chou. Et il faut que je refasse mes pyjamas parce que c'est une catastrophe. J'en ai qui sont troués, délavés, tout ce que tu veux. Ça fait printanier. Ensuite j'ai pris ça. Alors ça c'est très pratique. C'est une... ça coûte 6€. C'est pas donné.
J'ai une tête, oh là là. C'est une lanière, vous savez, que vous mettez autour de vous. Voilà, déjà c'est un peu mieux. En gros, tu la mets comme ça. Et tu peux mettre ton porte-cartes. Enfin, je les mettrai pas là, mes cartes, mais tu peux mettre des petites affaires et tout à l'intérieur. Je trouve ça plutôt pas mal. Et tu peux mettre tes pièces. Ensuite, j'ai pris ça. Oh là là, il n'y avait pas le short qu'elle est avec, mais j'ai trouvé ça trop beau. C'était 10 euros. C'était un haut de pyjama marguerite. Voilà, vous connaissez ma passion pour les marguerites. J'ai à peu près les mêmes chaussures en noir. Sauf que celles en noir, elles sont un peu plus faciles à mettre, j'ai envie de vous dire. Mais je les ai prises en blanche, donc c'est des chaussures avec un petit talon comme ça. Super sympa, ça va être des lanières et tout. Donc pour les gens qui ont des pieds fins comme moi, c'est super pratique parce qu'au moins tu peux l'ajuster à ta taille, vraiment à ta largeur. Donc j'ai pris du 39, je fais du 40 de base et j'ai pris du 39. Donc voilà, c'est super pratique, c'est bien, c'est bien confortable, t'as pas mal aux pieds en plus, ça qui est cool. Des petits photophores, je les ai trouvés trop choupi, c'est des petites fleurs comme ça, donc vert et jaune, ça coûtait 1€, j'aimais trop. J'ai pris ensuite une ceinture en XS à 3€, il me fallait une ceinture basique. Donc je crois que c'est la même que j'ai actuellement, voilà, c'est exactement la même. Et j'en manque à chaque fois parce que je prends toujours la ceinture de mon ancien jean pour mettre dans mon nouveau jean. C'est chiant, ça me saoule, voilà. Et enfin, j'ai trouvé ça, c'était le dernier, c'était un vide-poche. Je trouvais trop beau, en fait c'est avec un petit visage, je sais pas si vous allez bien le voir. Mais c'est trop beau, 4€ le dernier, comme ça je pourrais mettre mes clés parce que mon vide-poche il s'est cassé. Un principado. Ouais, Prince il l'a cassé, du coup voilà, j'en avais plus. Je vous ai pas montré mais j'ai reçu ça à mon anniversaire pour un collègue de travail. C'est Daisy en Lego et Donald en Lego, je trouve ça trop mignon. Et il m'a offert aussi un petit porte-clé. Genre c'est trop choupi, j'aime trop. Donc je vais le mettre là sur mon porte-clé. Ma soeur m'a offert ça, donc c'est un best-seller de la gamme Karma. Donc dedans il y a une crème, un gel douche, un parfum d'intérieur et un gommage je crois. De toute façon c'est mon parfum le Karma à chaque fois, c'est vraiment pas fait exprès en plus hein. Mais j'aime trop cette gamme là, du coup elle m'a offert. Donc, et ah oui, je suis allée à Action, je vous ai pas dit, voilà, j'ai acheté une ampoule, tiens, pour changer. J'en peux plus. Donc j'ai pris une ampoule voilà, pour mettre sur mon chevet parce que je n'ai pas d'ampoule. Ensuite, j'en peux plus, putain. J'ai acheté ça chez Alice Delis. C'est un... Bah, je pense que vous savez ce que c'est. Sauf qu'en fait, il n'y en avait plus à Action. Du coup, j'ai dû payer 20 balles, cette chose-là. Mais au moins, c'est bien parce que c'est pour 32, 30 et 28 cm. Et c'est garanti, ceci et cela. Et j'ai pris une planche à découper. Tiens, comme si j'en avais pas assez. Je la trouvais trop belle. Genre, elle a un petit, des petits grains... Je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas elle est archi belle. On peut aiguiser le couteau ici. Alors je vais jamais le faire, mais voilà. Et vous avez ça derrière. Je sais pas à quoi ça sert. Je l'ai trouvé jolie, donc je l'ai prise. Donc voilà pour ce haul. Je fais beaucoup de haul là sur ma chaîne en ce moment. Mais vous inquiétez pas, on va attaquer les vlogs vraiment aménagement, etc. Vlog déco. Donc voilà, écoutez, je remets ça dans les sacs et je vais ranger ça beaucoup plus tard. Ouh là là, parce qu'il faut que j'y aille, je crois. Non, je sais pas quelle heure il est. On est d'accord, ça fait un petit peu con, non? Genre après faut que je le rempote là, le pot il est vraiment mal mis et tout, faut enfin imaginer que ça soit un peu plus dans le fond, mais je sais pas. Vaut mieux que je prenne des petits trucs hein, peut-être que ça peut être plus joli. Parce qu'en fait voilà, de base ça donne ça, c'est une Monstera qui est très très longue de base, voilà. Là elle fait plus trop de feuilles là en fait, ça c'est dommage. Mais elle continue de pousser, voilà, elle continue, elle fait sa vie, elle se kiffe, voilà, donc je la laisse faire sa vie. Ah mon chachao, bah oui. Donc je pense que je vais rempoter. J'ai vu que j'avais de la terre sur le balcon pour rempoter, donc j'utiliserai la terre que j'ai. J'ai ensuite acheté du PQ, enfin des choses vraiment inintéressantes, mais que je vais installer dans le sel-wallet pour le remplir un petit peu, parce que là, le sel-wallet est totalement vide. C'est tellement le bordel entre les draps qui sèchent sur les portes. J'en peux plus. Alors le sel-wallet, faudrait que j'achète un autre truc comme ça là. C'est vraiment pratique pour mettre les petits gâteaux d'ailleurs là. Comme il n'y a plus grand chose, on va mettre ça là-dedans. Ça, on va le jeter. Tiens, chiquette. Alors, pour tout ce qui est PQ, je le mets ici. C'est pratique. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment plus rien. Vous êtes en équilibre. C'est un truc de fou. J'ai plus beaucoup de sopalin, là. J'en ai plus que deux. Faut que j'en rachète. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, le lait, on va le mettre juste là. D'ailleurs, faut que j'en rachète, hein, dis donc, parce que ça consomme ici, là. Il y a un vide. En fait, faut que j'aille à Costco avec ma soeur
pour racheter du coca par exemple. Enfin, tout ce qui est boisson de base, voilà, Lipton, etc. Quand je fais des soirées à la maison, faut que j'en rachète d'ailleurs. Et ça, faut que j'aille en remettre dans mon petit bocal. Là, c'est le sucre et tout ça. Tout ce qui est sucre, j'aimerais bien le mettre autre part parce que c'est vraiment moche. Là, c'est mon muesli que j'ai de stock. Et voilà, écoutez, on va mettre l'eau parce que j'ai acheté des bouteilles d'eau, c'est important. Oh la vache, qu'est-ce que c'est lourd. Hop, c'est vraiment super pratique ces étagères là, ça vient de chez Ikea, tout vient de chez Ikea. C'est hyper pratique parce que au moins tu peux ranger les choses vraiment d'une manière très claire, très propre. Là au-dessus c'est un peu le bordel, mais vraiment c'est plutôt pas mal. Je pense que racheter des trucs comme ça pour au-dessus peut-être, pour faire pâte, tout ça, enfin parce que là il y a vraiment, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Regardez comment c'est trop beau, j'aime trop. Ah, c'est la crème, celle-là je l'ai je crois. Elle est vachement bien. Là c'est le gel douche, j'adore. Le parfum d'intérieur il est trop beau. Il est trop beau. Et le body scrub. Donc ça, hop, je vais l'enlever. Donc ça je vais le garder pour mettre des petites affaires à l'intérieur. Parce que c'est des belles boîtes je trouve. Donc je mettrai des affaires à l'intérieur. J'ai rangé un tout petit peu l'appart. C'est quand même encore le bordel. Le bordel. La touffe de prince sur la table, on adore. Mais au moins, il y a un petit peu moins de choses par là. Il y avait quand même pas mal de cartons. Genre, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai un tout petit peu rangé. Il y a les croquettes de prince qui sont arrivées aujourd'hui. Donc ça, je suis trop contente. Là, c'est un colis Shein avec vraiment des belles nouveautés printanières. Donc, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Avec des chaussures, les gars. On en parle ou pas de ces beautés, j'aime trop, et aussi les blanches là, oh là là, bref, j'ai trop hâte de vous montrer. Là au moins j'ai tout rempli, il faudra que j'aille à Costco, mais au moins je suis contente. Ah attendez, il faut que je mette les capsules L'Or Expresso dans ma petite boîte. Hop, faut que je nettoie tous les plans de travail parce que c'est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a des petites miettes et tout, enfin, c'est n'importe quoi. Je vous place. Hop, il va falloir que j'y aille parce qu'il est 16h. Donc j'ai mon contrôle bientôt, je n'ai absolument pas révisé. J'y vais au talent comme d'habitude. Hop, ah, attendez. Oh là là. Voilà. Comme je vous disais, c'est de l'anglais, donc j'en ai tellement rien à foutre. C'est quelque chose qui me dépasse, genre en fait j'en ai tellement rien à faire de l'anglais parce que pour moi des cours d'anglais c'est bien etc, mais pour moi en fait l'anglais tu l'apprends sur le tas, vraiment tu deviens bilingue pas en allant 1h30 par semaine en cours, c'est que vraiment quand tu vis là-bas, enfin voilà, moi pour moi je trouve que je parle correctement anglais même si j'ai un accent de merde, mais au moins on se comprend, tout le monde se comprend, c'est parfait, pas besoin d'avoir un accent américain prononcé, c'est bon du moment qu'on a les bases, on sait faire un sujet verbe complément comme en français, voilà c'est bon quoi, du coup c'est du bullshit, genre je m'en fous. Oh, j'y vais vraiment sans pression, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai installé mes petites décos et de toute façon je pense qu'on fera le reste dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai quand même pas mal de contrôles qui m'attendent ces prochaines semaines. Ça va le faire pour les vidéos, j'essaie d'être régulière. En tout cas ça fait 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolée. Mais vraiment j'étais débordée, j'y arrivais vraiment pas. J'ai acheté donc des casquettes sur Shein, je vais vous montrer juste vite fait, il y a marqué Girl Power. C'est vraiment une casquette basique, simple. Il y a celle-là que beaucoup de monde a aimé, celle-là. C'est un peu style baseball. Genre, j'aime trop. Ouais, j'aime trop. Par contre, ça accroche les poils. J'adore. L'autre, il y a marqué I don't care. L'autre, il n'y a rien de marqué, je crois. Ou alors, si... Ah oui, c'est derrière. Il y a marqué Good Vibes. Et une autre un peu plus stylée, je trouve, avec des petites couleurs. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué. J'arrive pas à lire, ça me saoule. Ah! Je sais plus ce qu'il y a de marqué, mais voilà, en tout cas c'est des petites casquettes, j'aime beaucoup trop, de chez Shein. Donc j'ai installé mes petits trucs sur le bureau, c'est vraiment le bordel. Alors comment on met? Oh, ça marche, mais c'est trop bien. Et l'autre, c'est quoi la différence? Ah oui, l'autre on peut pas le passer dedans, donc il y a plusieurs tailles. D'accord, je comprends mieux. Bon bah voilà, c'est super. Et je vais essayer avec ça. J'espère que ça va rentrer parce que mon iPad il est quand même assez épais. Alors mon iPad ne rentre pas du tout dedans. Mais il tient. Je pense que c'est à cause de la coque. Ouais, je pense que c'est à cause de la coque. Mais en tout cas ça tient. Bah c'est super bien. En plus tu peux régler
l'inclinaison. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller en contrôle, je vais rien faire, je vais rien écrire, je vais avoir un zéro comme d'habitude. Trop hâte de filmer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. Merci en tout cas pour tout votre soutien, votre amour et tout. Franchement, tous les messages au quotidien, ça me fait vraiment super plaisir. Vous me donnez du courage, etc. Parce que là, j'ai passé vraiment une petite semaine de merde, je vous avoue, j'ai appris vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles dans la famille. Des nouvelles assez graves et j'étais vraiment pas très bien et donc voilà, j'étais pas bien. Du coup j'ai fait une prise de sang ce matin, j'ai encore mon pansement là à mon bras, attendez, voilà, il est toujours là, j'arrive pas à l'enlever, j'ai trop mal, donc je vais demander à quelqu'un de me l'enlever parce que vraiment j'arrive pas à l'enlever. Donc voilà, j'ai fait une prise de sang, j'attends les résultats pour savoir ce qui ne va pas dans mon corps, mais bon je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Dors et mange, je le sais. Mais bref, voilà, c'était assez compliqué. Donc merci en tout cas pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.